Bismillah, alhamdulillah, salat salam ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا avant de rentrer dans le vif du sujet, l'imam بارك الله فيه, en fait il me donne toujours une occasion de s'arrêter ou là d'avoir une citation avec le Coran, mashallah. Alors je sais pas si vous avez tendu l'oreille, ce que l'imam a lu fait surat al-Maghrib, il a lu surat al-Anfal. Et en fait, ce qu'il a lu, c'est ce qui est descendu surat al-Anfal, elle est descendue après Ghazwat Badr. Oui, le classement dans le Coran, elle est Ba'd al-Tawba. Mais surat al-Anfal, elle est descendue après Ghazwat Badr. Alors, regardez bien. Les musulmans sont très faibles. Ils ne sont pas nombreux, ils sont opprimés. Et on leur a tout enlevé. 80 personnes des compagnons, 80 personnes, tous les musulmans, de Mecca à la Médine. Regardez bien, 13 ans. 13 ans que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il appelle les gens à l'islam. Et au bout de 13 ans, il y a combien de personnes qui vont immigrer avec lui à Médine ? 80 personnes, même pas 100, vous voyez ? Donc ils vont aller à Médine, et l'Ansar, ils vont bien les accueillir. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a descendu des versets sur l'Ansar extraordinaires. L'Ansar, ils vont les accueillir à tel point que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à Médine, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la constitution de Médine. Ça, c'est important. Et la constitution de Médine, elle va définir les relations entre les habitants de Médine. Entre les habitants de Médine. Et à Médine, il y a quoi ? Il y a les musulmans, mais il y a aussi Ahl-Kitab, c'est-à-dire les Yahoud. Il y avait 3 tribus de juifs. Mais il y a aussi des païens, des gens qui n'étaient pas musulmans. Et le prophète, il dit, nous avons tous le devoir de citoyenneté. Sahifat al-Médine, hein, c'est la première constitution entre guillemets, qui régit les relations entre différentes catégories de personnes qui n'appartiennent pas à la même, à la même religion. C'est très rare hein, de voir ça, et c'est très intéressant d'étudier Sahifat al-Madina, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini les rôles de chacun. Et quand vous êtes citoyen de Madina, on se devait de vous défendre. C'est-à-dire, si les gens attaquaient le prophète ou l'attaquaient Médine, tous les gens de Médine devait être avec le prophète pour le défendre. Et si les gens attaquaient, par exemple, une tribu juive, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il levait une armée pour défendre la tribu juive. C'est pour ça, ce qui s'est passé, fait Ghazwat al-Ahzab, quand les coalisés sont venus pour extirper le prophète et les compagnons étaient en tout et pour tout, les hommes et les femmes, hein, même pas 1000, 900 quelque chose, 990 à peu près. Et quand il y a eu Al-Khiyana, hein, quand il y a eu la trahison de Bani Qurayza, c'est là où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis vraiment en colère. Et il a sorti Bani Qurayza. Bon. Donc, fi Ghazwat Badr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il envoie des éclaireurs. Il leur dit, voilà, il y a une caravane de Quraysh qui revient de Chin, qui revient de Damas. Allez les intercepter. Et donc, ils vont les intercepter. Pourquoi ? Parce que Quraysh avait tout pris à la Mecque. Abu Soufyan, il entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des gens pour intercepter la caravane. Il envoie un émissaire à la Mecque en disant que votre commerce est en danger. Mohammed, il va régner sur la route des caravanes et là, il va attaquer votre caravane et votre commerce. C'est l'alibi qu'il cherchait. OK ? C'est les armes de destruction massive. L'alibi qu'il cherchait, et c'est là où Abu Jahl dit bon, OK, il cherche. Il va nous voir. Et qu'est-ce qui se passe ? Abu Soufyan était quelqu'un de très intelligent. Il change le chemin.
En fait, le chemin, il prend le chemin de la mer. Alors que le chemin caravanier, il est connu par les caravanes. Je vous donne, je schématise un peu. Si vous prenez l'autoroute pour aller, par exemple, à Paris, de Marseille à Paris, vous avez une autoroute, la A7, OK ? Et sur l'autoroute, vous avez des stations, des aires d'autoroute. Le chemin caravanier, c'est ça. En fait, le chemin caravanier était connu par les caravanes, par les gens qui faisaient du commerce. Et sur les chemins, il y avait des stations, il y avait des oasis où les montures s'arrêtaient, les gens y buvaient, se reposaient, tout ça. Abou Soufiane, il change d'itinéraire. Il prend pas cet itinéraire, mais il va vers la mer. Il passe par la mer et il met la caravane, si vous voulez, en sécurité. Et l'information vient à Quraysh. L'information vient à Quraysh comme quoi la caravane est en sécurité. Utba ibn Rabi'a, il dit, c'est bon. Puisque la caravane est n'est plus en danger, on n'a pas besoin de faire la guerre. Parce que Mohammed, avec les gens qui sont avec lui, c'est qui ? C'est les gens aussi de Quraysh. C'est des cousins. Donc on ne va pas faire la guerre. Abu Jahl lui dit, Wallah que non. Wallah, tasma bin al-Arab, il faut que les gens entendent qui sommes-nous. Tasma bin al-Arab, on va là-bas. On va tuer une centaine de chamelles. On va faire la fête. Et on amène les gens avec nous. Et on va leur montrer ce qu'on va leur montrer. Wa tasma bin al-Arab, il faut... On dirait Biden qui parle. Vous voyez, on dirait... Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Bon. Tariqu yu'idu nafsah. Ils vont aller à Badr, et vous connaissez l'histoire après, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe la nuit à prier. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à ses compagnons. Et Allah, il donne la victoire à ses compagnons. Le premier conflit entre les compagnons, c'est quoi ? Le premier conflit, alors qu'ils étaient opprimés, c'est quoi ? C'est Dunya. C'est le butin de guerre. Et il y a une sourate qui descend, c'est quoi ? Sourate l'Anfal. Et l'Anfal, c'est quoi ? C'est le butin. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Regardez bien la suite. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants, ceux qui ont la foi, ceux quand on cite Allah سبحانه وتعالى, leur cœur sont en émoi. Leurs cœurs sont vraiment dans une crainte révérentielle. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ Quand on récite l'ayat d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur foi augmente. Okay? Et surtout, ils mettent toute leur confiance en Allah quand ils font quelque chose. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةُ وَمَا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ Il a akhir l'ayat. Il y a un événement qui se passe. L'événement qui se passe, c'est quoi ? Les musulmans vont faire 70 personnes prisonniers. 70 personnes de l'armée adverse vont être prisonnières chez les musulmans. Et là, c'est un événement important dans la vie musulmane. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 70 personnes de Quraysh. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ces 70 personnes ? Et puis, il demande l'avis de tout le monde. Et il voit Omar ibn al-Khattab. Qu'est-ce qu'il dit à Omar ibn al-Khattab ? Il dit à Rasulallah, on leur coupe la tête. Le prophète, il dit quand même, parmi les prisonniers, vous savez qui il y avait ? Il y avait l'Abbas. Et l'Abbas, Amr Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'oncle du prophète. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que l'Abbas, c'était un musulman caché. Il n'a pas déclaré son islam, mais il donnait des informations au prophète. Et le prophète, il a dit à ses compagnons, si vous voyez l'Abbas, ne le tuez pas. Et Omar al-Khattab, il disait, « Qultu fi nafsi, dans mon fort intérieur. » Vous voyez, hein, on est des êtres humains. « Qultu aqulu fi nafsi, comment ? On va rencontrer les nôtres. Et on peut les tuer, l'oncle du prophète, pourquoi ?» Pendant des années, jusqu'à ce que je découvre que l'Abbas était dans notre camp, en fait. Bon. L'Abbas, quand il arrive chez le prophète, astaghfirullah, il y a quelqu'un qui ramène l'Abbas et le prophète. Il dit à Rasulallah, je te ramène ton oncle. L'Abbas, il lui dit, eh, Rasulallah, c'est pas lui qui m'a arrêté. Il dit, ceux qui m'ont arrêté, ils sont pas là. Et c'est des gens qui ont une allure autre que celle-là. Et Rasulallah, il dit, oui, c'est pas toi qui l'as arrêté. Ceux qui l'ont arrêté, ce sont des anges. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des anges dans cette bataille. Bon. Où est-ce que je veux en venir ? Parce que ce qu'il a lu l'imam, c'est important.
Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Qu'est-ce qu'on fait des prisonniers ?» Et Omar al-Khattab dit « On leur coupe tous la tête. » Pourquoi ? Comme ça, ils sauront que s'ils nous font la guerre, eh ben, il n'y a pas de répit, en fait. Alors ça, il dit « Comment ? On va tuer les nôtres. On va tuer nos cousins. On va tuer... » Non. Le prophète, il n'aime pas. Il n'aime pas cet avis. Il demande d'autres compagnons. Il y a Abu Bakr qui lui dit « Ya Rasulallah, il y a des gens qui ont de l'argent. Ils rachètent leur liberté. Ceux qui ont de l'argent, ils donnent la fidya, ils rachètent leur liberté. Ceux qui n'ont pas d'argent, qui ont une science ou qui savent lire et écrire, eh ben, qu'ils apprennent aux petits des musulmans la lecture. Et au bout de l'apprentissage, je ne sais pas combien de temps, quand ils auront fini l'apprentissage, ils peuvent regagner leur liberté. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il accepte cet avis-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend le Coran. « Ma kana li nabiyin yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardh » Ce que dit l'imam tout à l'heure. Le prophète, il ne doit pas avoir des prisonniers jusqu'à ce qu'il y aura une opulence, il aura une opulence sur terre. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand les ayats sont descendus, regardez bien, quand les ayats sont descendus, Omar ibn Khattab, il vient, il voit le prophète en train de pleurer, Abu Bakr en train de pleurer. Et Omar, il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Et le prophète, il dit, « Law nazala azab, law nazala ma naja illa Omar. » Si Allah avait descendu un châtiment, il y aurait quoi Omar ibn Khattab qui serait dispensé de ce azab. Mais regardez bien l'ayat, et là, j'aime bien la réflexion. Zad al-Ma'ad, Zad al-Ma'ad, Ibn al-Qayyim, il dit ce que je suis en train de vous dire. Fi kitab Zad al-Ma'ad, Ibn al-Qayyim, il dit, « Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, fi l'ayat, qu'est-ce qu'il dit ?» ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب اليم. Regardez bien. Si Allah n'avait pas écrit kitab, il avait écrit fil azal avant la création des cieux et de la terre. Si Allah n'avait pas écrit ça, vous auriez été touché par quoi? Vous auriez été touché par un azab alim. Ibn al-Qayyim dit, quand vous regardez l'affaire, qui a eu raison? C'est Omar. Le Coran, il descend à Omar. Mais finalement, qui a eu raison, qui a suivi l'avis d'Al-Kitab depuis la création de la terre? C'est Abu Bakr. C'est quoi ça? Abu Bakr, il dit, on ne tue pas les prisonniers. Et Allah avait écrit qu'on ne tuera jamais les prisonniers. Et d'ailleurs, c'est resté, on ne tue pas les prisonniers. Ça, ce sont des codes de guerre. Quand on fait la guerre, quand on fait des prisonniers... Quand on tue les prisonniers, ceux qui tuent des prisonniers, ce sont des barbares. On ne tue pas les prisonniers. Et en islam, on ne tue pas les enfants, on ne tue pas les femmes, on ne tue pas les prisonniers, on ne tue pas les ermites. Quelqu'un qui est dans sa mosquée ou dans sa synagogue ou dans son église ou dans son lieu d'adoration, on ne tue pas ces gens-là quand on fait la guerre. On ne bombarde pas, on tue 25 000 personnes, 25 000 enfants et on dit c'est des dommages collatéraux. Non. Il y a des codes. Bon. Al-Asra, écoutez bien, Al-Asra, chacun, il donnait une... Ceux qui avaient de l'argent, donc les Mécois avaient entendu ça, ils venaient. Donc ils venaient avec une rançon, avec une caution, avec l'argent, et ils reprenaient leur prisonnier. Ils reprenaient l'Asir. Et puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait ce que les Quraïchites ont ramené. Puis il arrive, vous savez ce qu'il voit? Il voit un collier. Il s'arrête, le prophète. Il regarde le collier, il lève la tête, il regarde le collier, il lève la tête. Il dit, « Hiqdou man hada ?» Il a acquis ce collier. Et en fait, c'était le collier de sa fille Zainab. La fille Zainab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était mariée à Rabi'a Abu al-As. Rabi'a Abu al-As était un cousin à Zainab. Elle était mariée avec lui et il sort en guerre avec Quraysh. Il se fait prisonnier. Zainab, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne son iqd, elle donne son collier pour retrouver la liberté de son mari. Regardez le prophète. Regardez le prophète. Il prend l'iqd, il le met comme ça, il le sent, l'odeur de Khadija, sa femme. Et Aïcha, elle disait, je n'ai jamais été
je n'ai jamais été jalouse d'une femme décédée comme j'étais jalouse de Khadija. Quand le prophète, il parlait de Khadija, Aïcha lui disait, « Ya Rasulallah, Allah, il t'a donné mieux qu'elle quand même. » Elle dit, « Wallah, jamais Allah, il m'a donné mieux qu'elle. » Elle dit, le prophète, il dit, « Elle m'a réconforté, elle m'a supporté, elle m'a donné, elle m'a soutenu quand les gens m'ont rejeté. » C'était quelque chose... Ça, c'est une femme, vous voyez. C'est une femme, quand on parle de Zawaj Sakan, Sakina, c'est-à-dire une sérénité quand tu rentres à la maison. C'est ça, la femme qui te donne une sérénité quand tu rentres à la maison. Et il demande au compagnon, regardez, hein, il demande au compagnon ce que Zainab elle dit, « Ya Rasulallah, c'est moi, iqd, que ma mère m'a donné, mais je veux racheter la liberté de mon mari. » Le prophète, il demande aux compagnons qui sont avec lui, « Est-ce qu'il peut... » Est-ce qu'il peut rendre l'iqd à Zainab ? Il dit, « Est-ce que vous me permettez ?» Imaginez. Imaginez quand les gens utilisent l'argent public à gogo, sans considérer d'où il vient, comment il part. Regardez, le prophète, il dit, « Iqd, est-ce que vous me permettez que je le rende à son propriétaire ?» Et tout le sahaba dit, « Ya Rasulallah, quand même. » Non. C'est, il le donne à Ibn al-As, il retrouve sa liberté, et il lui dit, « Ya Ibn al-As, ce collier, c'est le collier de Khadija. Dis à Zainab d'en prendre soin. » Et après, il lui dit, « Ya Ibn al-As, est-ce que je peux te parler en aparté, juste toi et moi ? Est-ce que je peux te parler en aparté ?» Il le prend en aparté et lui dit, « Inna Allaha amarani. » Écoutez bien. « Inna Allaha amarani nufarriqa baynakuma. » Dieu m'a demandé de vous séparer. Tant que tu es mouchrik, tu ne peux pas rester le mari de ma fille. Il dit, « Où avec ?» Ibn al-As, il rentre à midi, il rentre à la Mecque. Regardez, il rentre à la Mecque. Et quand il rentre à la Mecque, il va voir Zainab. Il lui dit, elle est contente, elle l'attendait, elle est sortie de Shi'ab Mecca pour l'attendre, parce que c'est son mari. Et cette histoire, on vous dit, c'est une histoire d'amour. Fait l'islam, c'est une histoire d'amour que... Alors, elle retrouve son mari. Et après, son mari lui dit, « Je dois te laisser parce que j'ai promis à ton père, comme je ne suis pas musulman, je dois te laisser et tu dois aller rejoindre ton père à Médine. » Et le prophète, il envoie un groupe de gens pour aller chercher Zainab. Et Zainab, elle revient à Médine. Elle revient à Médine et elle reste là avec des enfants. Elle a des enfants. Et puis, écoutez, hein, pendant 6 ans, les gens vont demander Zainab au mariage et elle refuse. Parce que son amour, il est toujours pour son premier mari. Et puis un jour, il y a un événement qui se passe à Quraysh. Abu al-As, il va fuir à Médine. Et il demande refuge à qui ? Il demande refuge à sa femme. Sa femme, il arrive juste avant le Fajr. Sa femme, elle va au Salat al-Fajr. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, « Inni awaitu Abu al-As. » Le prophète, il dit, « Vous avez entendu ce que j'ai entendu ?» Il va la voir. Elle lui dit, « Ya Rasulallah, ja'a faran. » Il est en fuite. Si vous allez chez les Rifs au Maroc, chez les Kabyles en Algérie, ils ont quelque chose qu'on appelle l'anaya. Vous savez ce que c'est l'anaya ? Quelqu'un qui est fugitif, qui a commis quelque chose. Il y a une famille ou quelqu'un qui dit, « Il est sous ma protection. Personne ne le touche. » Tant qu'il est sous la protection d'un tel, personne ne doit le toucher. On respecte cette parole. Ça vient chez les Arabes. Quand Abu al-As, il arrive, il demande refuge, le prophète, il lui donne. Il lui dit, « C'est ton mari, héberge-le, mais attention, il ne te touche pas parce qu'il n'est pas halal, il est mouchrik. » Quand lui, il arrive, elle est contente, elle lui dit, « Hal ji'ta musliman ?» Il dit, « Non, je ne suis pas venu musulman. » Et je ne veux pas avoir la pression pour devenir musulman. Finalement, il va repartir à la Mecque et il va revenir musulman. Pour que les gens ne disent pas,
on lui a mis la pression. Non, il va aller à la Mecque, il leur déclare « Je suis devenu musulman », il va réépouser Zaynab. Au bout d'un an, où il se remet avec elle, Zaynab, elle meurt. Zaynab, elle décède. On dit que Abu al-As, il a pleuré sa femme à tel point que chaque fois le prophète, il le voyait, il le pleurait. Il dit à Rasulallah, je ne supporte plus la vie sans Zaynab. Imaginez, sans Zaynab. Cette histoire, je vous la raconte, tout ça parce qu'il a lu l'imam. Wallahi yu al-ikhwa, si on s'arrête sur l'ayat que lit l'imam, si on s'arrête un peu sur le Coran, sur ce que c'est... Le Coran, c'est un trésor. Mais le sujet d'aujourd'hui que je vous ai promis, c'est l'Yom al-Akhir. Et donc on va parler, Inch'Allah, de l'Yom al-Akhir. On ne va pas finir aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et on va continuer, Inch'Allah, dans une autre... dans la prochaine fois, pas celui-là. Ah, quoi que l'autre, je ne sais pas. Je serai absent pendant une semaine. Inch'Allah, je vous dirai. Inch'Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a lié la foi... الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر. Quand vous avez le sens de اليوم الآخر, d'ailleurs Allah سبحانه وتعالى nous le rappelle à chaque récitation du Coran, à chaque fois qu'on lit sourate al-Fatiha, Allah سبحانه وتعالى qu'est-ce qu'il nous rappelle? Maliki yawm al-din, Maliki yawm al-din. Alors il y a deux qiraat, il y a deux lectures, Maliki wa Maliki. Maliki yawm al-din, Maliki yawm al-din, Maliki yawm al-din. Yawm al-din, c'est quoi? Yawm al-hisab. Al-din, c'est la redevance, si vous voulez. Ce qu'on doit rendre, en fait. OK? Le jour du jugement. Et en fait, les ulama, ils vous disent, quand vous avez ce sentiment au fond de vous, vous êtes apaisé. Pourquoi? Parce que quand vous voyez toutes ces injustices, ou si même vous, vous avez subi une injustice, et qu'il n'y a pas la justice des hommes, n'a pas rendu justice. On a été injuste envers vous, il n'y a pas eu de justice. Et puis, il n'y a plus rien. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait plus rien. Ce n'est pas possible. Vous imaginez. J'aimerais bien faire un rapport avec la création, tout ça, mais une autre fois, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا » Est-il venu pour l'être humain un laps de temps où il n'était même pas une chose mentionnable. On vous dit que la création, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé le kaun, d'abord, « Ja'a min al-adam » Allah subhanahu wa ta'ala, « Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun » Ça. Et là, on va... Alors, suivez-moi, c'est philosophique ce que je vais vous dire. « Qala l'ulama, innama amruhu qabla al-kafi wal-nun » Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit d'une volonté pour que la chose soit. Et si tu dis kun, il y a une seconde. Allah subhanahu wa ta'ala, avant la création du temps, il a créé les cieux et la terre. C'est difficile, hein. Mais regardez, innama amruhu qabla al-kafi wa nun. On vous dit que notre galaxie, c'est notre soleil, c'est à peu près 4 milliards d'années. À peu près, la vie, c'est 4 milliards d'années, ou mazel, à peu près encore 4 ou 5 milliards d'années. Or, l'univers, il a minimum 16 milliards d'années. Regardez. Et on vous dit, si Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers, si on considère le temps de création sur une année, on considère que les dinosaures, ce qui a été créé, ça c'est, vous savez, ce qui est rationnel. Y a un livre qui est sorti sur Victor Hugo. Dernièrement, et la personne qui a écrit sur Victor Hugo, c'est une icône de la politique française, une icône de la poésie, une icône de... Bon. Et Victor Hugo, comment il est arrivé à l'islam? Celui qui a écrit ça, Pascal Blin, il dit, il était islamophobe, il est devenu islamophile. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comment il est arrivé à l'islam? Victor Hugo, il avait une fille de 20 ans à peu près. Après son mariage, elle se noie et elle meurt. Et lui, il dit, puisque Dieu est amour, comment il peut permettre ça? Donc il se posait des questions. Et il est allé chercher dans les Écritures, dans la Bible hébraïque, la Bible dans l'Évangile, dans les Évangiles. Il cherche aussi dans l'islam.
Il se trouve que les réponses les plus rationnelles, il va les trouver dans l'islam. Les réponses les plus rationnelles, il va les trouver dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de mourir, ce n'est pas une fin. Le fait de mourir, ce n'est pas injuste. C'est quand on a une conception qui est juste dunya, effectivement, la fin, la fin, c'est la mort. Donc, on ne veut pas affronter la mort. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi ? Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un corps. Il a créé l'âme. Il l'a mise dans un corps. Et ce corps, il a un laps de temps. Et ce corps, il est en location à terme. Nous savons tous que le corps va revenir à la terre et que l'âme, elle est éternelle. Et l'âme va aller dans l'alam, le barzakh. C'est quoi le barzakh ? Min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athoun. C'est une phase intermédiaire. Comment aller ? On ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit. Par contre, il y a beaucoup de ayat dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que les âmes vont aller dans un alam al-barzakh. Il y a quelque chose que le Coran nous définit et nous écrit, et que sans le Coran, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Il est impossible de savoir ce qui se passe. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors je vous ai dit, il n'y a pas de contradiction avec ce qu'on a découvert dans le Coran. Le Coran, il ne dit pas que l'univers, il a 5000 ans. Jamais. Le Coran, il n'a jamais dit ça. Par contre, il dit qu'il y a eu des gens qui ont vécu sur Terre avant la venue de Adam. Oui. Est-ce que les dinosaures ont existé ? Les musulmans, ils ne disent pas le contraire. Le pétrole que nous avons aujourd'hui, c'est la décomposition des matières organiques de tous les êtres vivants qui étaient sur Terre. Donc cette décomposition a donné ce que nous voyons aujourd'hui. Bon. Donc le Coran, il n'est jamais en contradiction avec... D'ailleurs, le Coran... وَالسَّمَاءَ خَلَقْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Allah, il parle de l'expansion de l'univers. Allah, il parle de d'autres galaxies. Ce que Einstein lui-même, il disait qu'il n'y avait que notre galaxie. Il n'y avait pas d'autres galaxies. Or, aujourd'hui, on dit qu'il y a 2200 milliards de galaxies. Vous ne pouvez pas imaginer Azamat Allah. Ça, c'est la première. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا » Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pouvez pas les compter. Deuxième chose. Mais comptez les bienfaits d'Allah. Wallahi wa l'ikhwa, des fois, vous avez vu le Covid par exemple. La personne vous dit « Mais je ne sens rien. Je n'ai pas d'odorat. Les zones olfactives chez moi, il n'y a rien. » Donc tu n'apprécies même plus rien. Tu ne sais pas sentir une odeur. Et ça, c'est ni'ma min Allah, mais on ne la mesure pas. Vous voyez ? Alors, regardez. Quand vous touchez, le toucher. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette sensation qui est en nous et on ne sait même pas comment elle se produit. Quelle différence, et la haya fi din, quand une personne embrasse sa femme, embrasse son fils, embrasse un mort, embrasse un alim, quelle différence y a-t-il ? C'est toujours وَهَدَيْنَهُ نَجْدَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. Allah, il parle des lèvres. Les lèvres ont une sensation différente. Comment tu la poses ? Comment tu les poses ? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé de ses bienfaits et nous dit, vous ne pouvez pas compter les bienfaits d'Allah. Et malgré ça, l'insan, il s'enfle d'orgueil, il pense qu'il est quelque chose. Bon. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا. Avant de parler de ce qui va se passer le jour du jugement, sachez que وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Chacun viendra tout seul. Donc tu viendras ni avec ton quartier, ni avec ton équipe, ni avec ton firqa. Tu viendras tout seul avec ce que tu as fait. OK ? Wa in minkum, sourate Maryam, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. C'est si Allah subhanahu wa ta'ala a dit vous passerez tous par Jahannam. Pourquoi ? Qala al ulama li atara athara ni'mat Allah alayk. Pour que tu vois les bienfaits d'Allah sur toi. Le prophète il dit lan yudkhila al jannata ahadan 'amalu. Personne ne rentrera au paradis, regardez bien, avec ses œuvres.
ou par ses œuvres. Il dit « Voilà, anta ya Rasulallah, même toi ya Rasulallah, khala wahta ana, illa an yatahammadiyani Allahu bi rahmati, sauf si Allah il me comble de sa miséricorde. » Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, fait le Coran, il nous dit « Wa tilkumul jannata urithtumuha bima kuntum ta'amaloun » Quand tu urithtumuha, quand tu hérites de quelque chose, tu n'as rien fait, ton père il a travaillé, il t'a laissé, et tu hérites. Tu es juste le fils de ton père, donc tu prends. Ok. Donc Allah, il te donne al-jannah, wiratha. Il t'a fait hériter. Il y a un deuxième sens de al-wiratha, on va en parler tout à l'heure. Et on va parler de al-jannah, al-nar, ce qui se passera, tout ça. On va en parler, inshallah. On va détailler, bi'idhnillah. Mais, wa tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'amaloun. Ta'amaloun veut dire quoi? Ce que vous faisiez, les œuvres que vous avez faites. On vous dit darajat fil jannah. Darajat fil jannah. Darajat fil jannah, c'est selon tes œuvres. Et le prophète, il nous dit, fil jannah, yami ad-daraja. Au paradis, il y a une centaine de degrés. Entre un degré et un autre, ma bayn as-sama'i wal-ard. C'est-à-dire, tu peux, toi, être avec un frère là, fil jannah, à la mosquée. Inch'Allah, vous serez le jannah. Et peut-être que toi, tu es là et lui, il est là, ou peut-être le contraire. Pourquoi? Parce que tu as fait des choses dont il n'y a que Allah qui sait. Vous voyez? Al-Jannah Khamsa. Écoutez bien. Al-Jannah Khamsa. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala cite dans le Coran. Tous ces éléments-là, on ne les a pas sans le Coran. Sans le Coran, on n'a pas ces éléments de l'ghaibiyyat. Al-ilmu bil-ghaibiyyat, comme dit Tahar ibn Ashur, le Coran, il nous parle des nations qui nous ont précédés, mais il nous parle aussi de ce qui nous attend. Et il nous parle du monde invisible qu'on ne maîtrise pas. Alors, Al-Jannah Khamsa, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, Jannatul Adan, Jannatul Khult, Zid, Jannatul Ma'wa. Le plus bas degré, c'est quoi? Jannatul Ma'wa, chez le Firdaus. Pourquoi le Ma'wa? Quand vous voyagez, imaginez, vous voyagez et vous passez devant un petit village près d'une forêt et vous trouvez ce qu'on appelle une auberge refuge. C'est le premier degré de l'Jannah. C'est-à-dire les gens qui ont... Vous savez, hein, le prophète il dit « Man nuqisha al-hisab, adhib, barakallahu fik. » Celui à qui on demande des comptes, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Viens là ». Ok, c'est pas Allah qui te dira, c'est les anges. Et là, ça, le jour-là, qu'est-ce que tu as fait? Manukish al-hisab adhib. Ok? Donc, al-jannah khamsa. Alors, il y a des explications, peut-être que je vais vous choquer en disant ça, mais il y a des ulama qui disent ce que je suis en train de vous dire. Ils vous disent le plus haut degré de al-jannah, c'est quoi? Non. Na'im. Barakallahu fik. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de Sayyidina Ibrahim, Rabbi j'anni min warathati wa j'anni min warathati jannat al-na'im. Jannat al-na'im lil mukhlasin, mais chez le mukhlasin, le mukhlasin. Alors, il y a une différence entre le mukhlas et le mukhlas. Fi surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa laqad hammat bihi wa hamma biha, lawla an ra'a burhan rabbih, kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha, innahu min ibadina. Al-mukhlisin ou l'al-mukhlasin. On a deux qira'at. Al-mukhlis, le sincère. Al-mukhlas, l'élu. Et certains savants vous disent, quand tu es mukhlis, quand tu es sincère, tu deviens mukhlas. Quand tu es sincère avec Allah, Allah, il va t'élire. Tu vas devenir l'allié d'Allah. Ça veut dire quoi, l'allié d'Allah? Tu vas te protéger de tout mal. N'aie pas peur, ni sahir, ni personne. Personne ne pourra de mal contre toi. Il ne pourra pas. Vous voyez? Parce que tu es l'élu d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, les élus d'Allah, et les premiers élus d'Allah, c'est qui? C'est les prophètes. Sayyidina Isa, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Moussa, ils seront au Jannat al-Na'im. Le plus haut degré au Jannat al-Na'im, c'est quoi? Al-Maqam al-Mahmoud. Et ça, al-Maqam al-Mahmoud, il n'y a que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que vous dites après l'Adhan. On dit « Allah wab'athu al-maqam al-mahmoud alladhi wa'adtah ». C'est ce qu'on dit après l'Adhan. Et vous savez, Sa'd ibn Rabi'a, pardon, quand il a demandé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un adolescent, il prépare l'eau au prophète. On a cité ce hadith plusieurs fois. Et le prophète, il lui dit, il prépare l'eau au prophète.
Vous savez, le prophète, il avait beaucoup de jeunes autour de lui et qui aimaient faire des choses pour lui. Parce qu'ils étaient proches du prophète. Il y a des gens qui dormaient devant la porte du prophète pour préparer l'eau, salat al-fajr. L'eau, il n'y avait pas de robinet à l'époque. Bon. Et le gars, tous les soirs, il dormait à côté de la maison du prophète. Et le matin, avant le prophète, il se levait pour lui préparer l'eau. Et un jour, le prophète, il dit « Salmi, demande-moi ». Et le gars, il dit, comme ça, celui qui nous rapporte le hadith, il dit « J'ai réfléchi dans ma tête et je me suis dit « Qu'est-ce que je demande au prophète ?» Si je lui demande quelque chose de dunya, dunya demain, on part. Et tout partira. J'ai réfléchi. Il dit « Ya Rasulallah, ni uridu murafaqataka fil jannah ». Il dit « Je vais être ton compagnon au paradis. » « Allahu Akbar ». Et le prophète, il dit « Awadhek ». Il dit « C'est ça ce que tu demandes ?»« Qalou na'am, ya Rasulallah ». Rien d'autre. Imaginez. Hawla wala quwwata illa billah. Allah al-Adim, des fois on est loin, Allah. Des fois on doit pleurer pour notre Allah, pour notre situation. On est vraiment loin. Quand certains d'entre nous se lèvent pour Salat al-Fajr, « Oh, moi, mashallah. » Enfin bon. Qu'Allah nous guide, inshallah. Amin, ya Rabbil Alamin. Alors, sincèrement, alors, je ne sais pas si deux séances suffisent. Je pense qu'on sera sur plusieurs séances. Bon. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète ? Il dit « Fa'a'inni ala dhalika bi kathrati sujoud ». Aide-moi à atteindre ce degré. Bi kathrati sujoud. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Fasjoud wa qtarib. Aqrabu ma yakunu l'abdu min rabbih wa huwa sajid ». Donc même dans la position de prière, quand tu es debout, plus tu t'inclines, plus tu te rapproches de la terre, plus tu t'humilies pour Allah, plus Allah il te lève. Et plus tu t'humilies pour Allah, plus tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, c'est voilà. Donc on a dit, Jannat al-Na'im, Jannat al-Firdaus. C'est pour ça que le prophète dit, si vous demandez à Allah, demandez le Firdaus. Pourquoi ? Parce que c'est le plus haut degré du paradis, mais que vous ne pouvez pas atteindre l'autre paradis. Donc si tu es... Alors regardez. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ Jannat al-Na'im. Regardez ce qu'il dit Allah. Il dit, celui qui n'est pas né musulman, il est né min ahl al-kitab, et puis il cherche la vérité, et il découvre la vérité, et qu'il embrasse l'islam, il devient musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, il efface tous ses péchés, il les rend hasanat, et surtout, il le fait rentrer le Jannat al-Na'im avec les prophètes. Pourquoi ? Parce que vous qui êtes nés musulmans, vous ne pouvez pas imaginer l'effort que c'est. Vous ne pouvez pas imaginer, depuis votre jeune âge, on vous parle du paradis, de l'enfer, de Ramadan, tout ça, c'est entré en vous. À tel point que vous ne vous rendez même plus compte. Les gens, ils sont dans l'égarement total. Ils ne comprennent rien à la vie. Pourquoi je suis venu ? Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Et nous, on ne leur explique pas. On dit... Wallahi, je vous jure par Allah, on fait des séances, on fait des réunions interreligieuses. Il y a des juifs, il y a des bouddhistes, il y a des chrétiens, il y a des... Vous ne parlez pas avec les gens qui sont là, qui représentent leur religion. Vous parlez avec le public. Et le public qui est là, beaucoup de gens ont des cheveux blancs. Ça veut dire quoi ? Ça y est, non, les musulmans, il y a beaucoup de jeunes, machallah, la force, la fougue, bon, machallah, ok. Et le public, dans le public, il y a beaucoup de gens qui ont un certain âge, ils ont des cheveux blancs. Ça veut dire qu'ils ont une expérience de vie. Ça veut dire qu'ils sont à la période de réflexion de leur vie. Et wallah, il y avait une dame d'un certain âge. Elle dit, moi, j'assiste à ces réunions pour apprendre et pour connaître l'islam. Et vous savez, les autres, ils parlent. Mais quand arrive le représentant musulman qui va parler de l'islam, silence de mort. Tout le monde écoute. Dites-leur qu'est-ce qui se passe après la mort. Les gens, ils ne savent pas. Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Les gens, ils ne savent pas. Et nous avons toutes ces informations. Mais on ne les transfère pas, on ne les transmet pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah s'est dit, « Billiru anni walau aya. » Expliquez aux gens ce qui se passe. OK. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, surat Qaf. J'ai le hadith d'Ibn Barra ibn Azim, je l'ai préparé, mais... il est long, hein, il est très long, et on n'aura pas le temps aujourd'hui.
Surat Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa laqad khalaqna l'insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid » la veine jugulaire. La veine jugulaire qui relie le cœur au cerveau. Et c'est ce qu'on coupe quand on immole un mouton ou quand on immole une bête. On coupe l'autoroute qui relie le cœur au cerveau. Quand le cerveau ne reçoit plus d'irrigation, il ne reçoit plus de sang, alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des signaux au cœur. Je schématise, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je schématise. Il envoie des signaux au cœur et lui dit « Je suis en train de s'asphyxier, j'ai plus d'oxygène, je vais mourir. » Qu'est-ce qu'il fait l'animal? Il va se battre, il va se débattre. Qu'est-ce qu'il fait en se débattant? Il va chercher le sang dans tout le corps pour l'envoyer au cerveau. Or, vous avez coupé l'autoroute, donc tout le sang va sortir. Et c'est pour ça qu'on vous dit, la bête immolée, elle est vidée de son sang. Pourquoi le sang, le maïta? On vous dit, il ne faut pas manger le maïta, parce que le sang, il comporte toutes les toxines du corps. Et quand on est malade, quand on va chez le médecin, qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il vous prescrit une analyse de sang. Allez faire des analyses, il vous dit. Et dans le sang, on trouve tout. Tous les microbes, tous les toxines, tout ce qui... voyez? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit al-munkhaliqa wal-natiha wal-mutardiya wa ma akal sab'u. Bon, il y a des hikmas, il y a des sagesses dans chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis nous a haram, comme on dit, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ou pas. Bon. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Alors, c'est là où il y a le commencement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta la yabqa baynahu wa baynaha illa qadra shibri wa qadra dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta idha yablagh al-mamat fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Tout à l'heure je vous ai parlé de l'ouarithin, je vais revenir sur ça. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. L'explication de cette aya, certains ulama nous disent, l'explication de cette aya, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humanité, chaque être humain, il lui a créé quoi? Une demeure au paradis et un siège en enfer. Une demeure au paradis et un siège en enfer. Celui qui ne veut pas aller au paradis, qui a décidé de combattre Allah, de ne pas croire, il va laisser sa demeure au paradis. Cette demeure au paradis, oulaika humul warithun. Qui va hériter de cette demeure au paradis? Eh bien, celui qui a fait les bonnes œuvres et celui qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'imam al-Qurtubi dit inna ar-rajula hina yadkhulu al-jannah yamshi masirata alf 'am fi ardihi. Allah il te donne une terre où tu peux marcher pendant 1000 ans. Ouf. Tu n'imagines pas. Ce matin, j'avais un cours. Et aux étudiants, je leur ai dit, allez, pour les matheux, les jeunes, X sur plus l'infini, ça veut dire quoi? Combien égale? Non, c'est pas l'infini. Avec l'aufik, Inch'Allah. Tu étais au cours? Tu étais au cours, là? Pourquoi égale 0? Qu'est-ce que ça veut dire X sur plus l'infini? 0,0000000 à l'infini. Ok, avec l'aufik. X, c'est une quantité. Vous la divisez par plus l'infini. C'est quoi plus l'infini? Plus l'infini, si vous voulez, 10 000 milliards de milliards de milliards de milliards. Beaucoup, 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 beaucoup. Et vous prenez une quantité. Imaginez, vous prenez 100 oranges. Vous les divisez entre 2 milliards de Chinois. Combien vous leur donnez? Zéro. Rien. Pas un milliard de Chinois. Vous divisez par des milliards de milliards de milliards. Vous leur donnez rien. De quoi? Vous coupez comment l'orange? Comment vous la coupez? Vous leur donnez zéro. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire X ici? C'est votre vie et la mienne. Combien? Combien Allah il a écrit? Personne ne connaît son âge. Allah il t'a écrit combien? 80 ans? 90 ans? 120 ans? 120 ans. Qu'est-ce que c'est 120 ans devant l'éternité? Barakallahu fik. Zéro. X plus l'infini. C'est ça. Vous savez, quand on pose les choses, ah, c'est comme si on prend une gifle, barakallahu fik. Quand on pose les choses, c'est ça. Il y a du dunya que les gens, vous avez vu, la drogue, ils se battent, ils se... Ok.
Combien tu as vécu ? Et ceux qui vendent la drogue, là, 30 ans. C'est ça. Ça. Il y a l'éternité après. L'éternité, c'est l'infini, ça ne finit jamais. On oublie ça. Hein. Vous avez vu comment Shaitan et Dunia nous font oublier ces choses-là ? Mais quand vous travaillez pour l'infini, oh, comment vous êtes apaisé. Comment vous êtes apaisé ? Quand vous voyez des gens qui tuent des gens comme ça, d'accord. Tu penses qu'Allah, tu penses qu'Allah est inattentif, il ne voit pas ? Tu penses que les choses, il n'y a pas de jugement dernier ? Mais non, jamais. Donc vous voyez, le jugement dernier, c'est important. Qu'est-ce qu'il dit ? Il ne dit pas man kana yu'minu billahi wal malaika. Il ne dit pas ça. Il dit man kana yu'minu billahi wa l'yawm al-akhir. Man kana yu'minu billahi wa l'yawm al-akhir, falyukrim dhaifa. Man kana yu'minu billahi wa l'yawm al-akhir. Voilà, il y a plusieurs hadiths comme ça. Et à chaque fois, il dit quoi ? Allah, l'yawm al-akhir. Allah, il te voit. L'yawm al-akhir, c'est le jour où tu dois rendre des comptes. On doit tous rendre des comptes. OK ? Un autre élément très important. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait des anges qui sont du monde invisible un pilier de la foi. Or, les djinns, c'est du monde invisible, mais ce n'est pas un pilier de la foi. Il faut croire aux djinns. Pourquoi ? Parce qu'ils sont cités dans le Coran. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. Les djinns, le prophète صلى الله عليه وسلم est allé les rencontrer. Quand vous allez aujourd'hui à la Mecque, on vous dit, voilà, il y a un endroit qui s'appelle Mahbas al-Jinn. C'est là où le prophète a rencontré les djinns. Il a dit à Abdullah ibn Saoud, attends-moi ici, et il va raconter le Coran, il va réciter le Coran. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Les djinns, ils ont entendu le Coran, ils montaient les uns sur les autres. Ils ont failli étouffer le prophète صلى الله عليه وسلم. Subhanallah, on a toutes ces vérités. Et on ne le dit pas aux gens. On ne montre rien aux gens. Mais bien sûr, pour montrer aux gens, il faut que nous, on sache. Donc on n'a pas de temps à perdre, les frères. Ce qu'on doit savoir, doit apprendre, c'est plus important que le temps que nous avons. C'est pour ça qu'on vous dit, le ulama, il ne gaspillait pas son temps. Pourquoi l'alim, il ne gaspille pas son temps ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a compris que c'est Allah. Puis il y a une deuxième chose qu'il a compris. Vous savez, quand vous commencez à apprendre, quand vous commencez à apprendre la science, vous voyez que c'est un océan sans rivage. Vous passerez votre vie, vous n'arriverez pas à 1% de science. C'est un océan sans rivage. Donc vous ne pouvez pas, vraiment, vous ne pouvez pas. Wallahi, je vous dis. Alors, je vous dirai les choses simplement. Je suis comme vous, mais je ne peux pas regarder un match de foot pendant 2 heures. Je ne peux pas. Pour moi, c'est une perte de temps. Alors, je demande le résultat à mes enfants. Voilà, c'est tout. Okay. Comme ça. Donc, je suis, vous voyez, hein, je sais. Hein. Bon. Mais je ne peux pas regarder. Pourquoi ? Pour moi, c'est beaucoup. Il y a tellement de choses à faire que regarder pendant 2 heures. Attendez. Est-ce qu'il y a des gens. Vous savez, il y a des gens qui comprennent ce qu'ils veulent, en fait. Un jour, j'ai dit zakat, si un bijoutier subit un tremblement de terre et qu'il donne les zakat dans un pays musulman, tout son commerce est parti, il va mettre zakat, il dit, moi je faisais un chiffre d'affaires d'un million d'euros, on lui donne 1 million d'euros. C'est ce que j'ai dit. Je vais dans une mosquée en France et le frère, il me dit ça, il me dit, j'ai dit que tu vas venir pour faire un dance. Il dit, ah, Mourad Hamza, celui qui a dit, il faut donner zakat au bijoutier. J'ai dit, il faut donner zakat au bijoutier. J'ai dit ça ? J'ai pas dit ça. J'ai dit que le foot c'est haram. J'ai pas dit ça. J'ai dit je ne peux pas rester 2 heures devant un match parce que pour moi c'est une perte de temps. Après, je n'interdis rien à personne. Là, il y a juz, on n'a pas le droit de dire de quelque chose c'est haram ou halal si Allah subhanahu wa ta'ala. Et le foot c'est minallah ou il moubah. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas que ça accapare ta vie. C'est ça en fait. Que tu. C'est du divertissement, il n'y a pas de problème. Mais que ça accapare ta vie, non. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui accaparent ta vie. Il ne faut pas que tu sois... Imam Amir Abd al-Qadr, on disait... Il était très mystique. Et quand le thé, par exemple, il prenait sur lui, il arrêtait. Tu ne deviens pas esclave de quelque chose. Garde ta liberté. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit... وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
وقال قرينه زد هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر سورة قاف أنو دون كوا أنو parle de l'agonie de la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ça. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans chaque Jumu'ah, ce que chaque Jumu'ah, il lisait sur le Taqaf. Il rappelait les gens de la condition humaine. Où est-ce qu'on va aller? Et en fait, vous savez, aller dans les hôpitaux, aller au service réanimation, et discuter avec les gens qui y travaillent. Vous savez ce qu'ils vous disent? C'est des témoignages que vous dites. Hein. J'ai des étudiants comme ça. Ils vous disent, « Wallah, Yachir, quand quelqu'un va mourir, on sait qu'il va mourir. Il est dans sa chambre, mais on sait qu'il va mourir. Comment ?» Alors d'abord, alors là, on parle de quelqu'un qui n'a pas la foi. Hein. Quelqu'un qui a passé sa vie... il transpire beaucoup. Voilà qu'on appelle les infirmières. Elles changent les draps. Changent les draps. 10 minutes, un quart d'heure après... Il est dans une piscine. Transpire. OK ? Ça, premièrement. Deuxièmement, la deuxième chose, quand le climat est lourd, très, très lourd. Pourquoi le climat est lourd ? Parce que vous savez, quand la personne arrive à la fin de vie, il y a Malaikat al-Azab, Malaikat al-Rahma qui arrive. Donc, dans la chambre, il y a des Malaikas. Que nous ne voyons pas, et que lui, il voit. Mais il n'y a pas que le malaïka qu'il voit. Il voit aussi le shaytan. Et la personne, quand son âme, elle commence à sortir, il a très, 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 très soif. Et le shaytan, il essaie de te détourner en disant « kalimat al-kufr »« qul hasrika ma'an » Shaytan kullu awham. C'est-à-dire que des fausses promesses, tout le temps. Shaytan ya'idukum al-faqr. Shaitan, c'est tout le temps ça. C'est lui qui... Non, pas aujourd'hui, tu vas sortir 50 euros. Non, pas aujourd'hui, demain. Mali, je fais attention. Et mais Shaitan, c'est toujours comme ça. Donc, il faut faire très attention. Quand l'âme, elle sort, elle ne veut pas sortir. Et ça, c'est le hadith de Al-Barra ibn Azib. Le hadith de Al-Barra ibn Azib, il dit, « Ista'idhu billahi min azab al-qabr. » Et puis, il leur parle comment l'âme, elle sort. Il dit... quand Malik al-Mawti vient, il se met à la tête de la personne. Et il lui dit, quand l'âme elle est apaisée, « Ukhruji ayyatuha an-nafs at-tayyiba » Il dit, elle sort, le prophète il nous dit, elle sort « kama yakhruju al-qitra min as-siqa » Est-ce qu'on a une bouteille d'eau là? On n'a pas une bouteille d'eau. Bon, imaginez une bouteille d'eau. « Siqa » c'est une gourde en fait. Il y a une bouteille d'eau, voilà. J'aime bien, enfin, voilà. Imaginez, il reste juste quelques gouttes, ici, dans le fond. Vous tournez la bouteille, il vient en courant, enfin, les gouttes, l'eau vient en courant, elle coule vite. C'est l'âme de celui qui a la foi. Elle sort, mais égayée. Pourquoi? Parce qu'elle va rencontrer Allah. Et le prophète, il nous dit, « Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. » Celui qui aime rencontrer Allah... Allah, il aime le rencontrer. Aïcha lui dit, « Ya Rasulallah, khawfun min al-maut ? Est-ce que c'est une peur de la mort ?» Il dit, « Là, kulluna yakhafu al-maut. » Tout le monde a peur de la mort. « Qala la ya Aïcha. » Quand la personne arrive à l'agonie de la mort, il y a les anges qui viennent et qui lui montrent son chemin au paradis, qui lui montrent son siège au paradis, qui lui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est content de le recevoir. Et il veut rencontrer Allah. Il veut sortir. Son âme, elle veut sortir. Et c'est pour ça qu'elle sort. Je n'ai pas cité son nom, mais il y a un chanteur célèbre. On raconte dans les magazines qu'il pleurait, dit « Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. » Il pleurait. Chaque fois que quelqu'un allait le voir à l'hôpital, je ne citerai pas l'hôpital, enfin bon, vous vivez comme moi en France, hein, lisez la presse. Il disait « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Pourquoi ?» Eh bien, nous, on sait. Le prophète, il nous a expliqué. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ça. C'est quoi النَّازِعَاتِ غَرْقَى L'âme, ouais, voilà. L'âme qu'on arrache. Et en fait, l'âme, elle se subdivise, en fait. Comme Malak al-Mawti dit, خُرُجِ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَ
c'est une autre habita. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va se subdiviser dans son corps. Et sur son corps, allez à la timone, vous allez voir, il y a des cyanoses. Il y a des plaques bleues. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Malak al-maut », il la sort comme un safoud qui sort d'un tas de laine. Un safoud, c'est un sable que vous avez chauffé, 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 et vous le rentrez dans le tas de laine. Quand vous le sortez avec une quantité de laine avec. Eh bien, l'âme, elle sort comme ça. Malak al-maut, il la sort comme ça, avec une douleur que vous ne pouvez pas imaginer. La personne, elle souffre le martyr. Elle souffre le martyr, pourquoi ? Ben, vous savez, tout ça, il ne faut pas dire le plus tard possible. Non, non, man ahabba liqa Allah. Rasul Hassan me dit, la tatamannaw liqa al-adou, la tatamannaw al-maut. Sallallahu salama. Mais demandez qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous facilite la rencontre avec Allah, subhanahu wa ta'ala. OK ? Alors, je finis juste ça. Le prophète, il nous dit, malak al-maut. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Hatta idha ja'a ahadum al-maut, tawaffathu rusuluna ». Pourquoi rusuluna ? Parce que Malak al-Maut ne travaille pas tout seul. Malak al-Maut, il prend l'âme, il la donne tout de suite, il l'a mis dans un linceul, il l'a mis et il la donne tout de suite à d'autres anges qui vont la prendre. Soit « Illiyin », elle monte au septième ciel, « Ma'ati nafsu tayyiba », soit elle ne dépasse pas, elle ne dépasse pas quoi ? Là, le premier ciel. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. Le jamal ici, vous savez ce que c'est ? Le jamal, c'est la grosse corde qui tient les bateaux. Il dit ceux qui se sont enflés d'orgueil et qui disaient c'est des mensonges, les paroles d'Allah. Ok. لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. Allah, il ouvre pas les portes du ciel, leur âme ne monte pas. Les ils vont plus loin que ça. Vous savez, Sakina, ce que c'est ? Sakina, comme dit Cheikh Sha'arawi, il dit Sakina, quand tu fais la prière, tu étais en lien avec Alam al-Ghaib. La prière, c'est ça. Tu es en lien avec Alam al-Ghaib. Donc, il y a une sérénité, Sakina, qui descend de Alam al-Ghaib sur toi. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas ce que c'est. Pourquoi ? Parce que ça vient de Alam al-Ghaib. Et du coup, ben, tu te sens apaisé. Eh bien, celui qui n'a pas de lien avec Allah, la tuftahu lahum abwab as-sama. Sakina, elle ne descend jamais sur eux. C'est pour ça qu'il prend des médicaments et des médicaments et des médicaments. Wallahi wal ikhwa, nous avons une ni'ma, ma fawqaha ni'ma. Cette connaissance, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, les détails de ce qui va se passer, ce n'est pas tout le monde qui l'a. C'est très important. Ok ? Bi'idhnillah. On prendra des séances sur l'Yom al-Akhir. On va parler de Jahannam, on va parler du paradis, on va parler des degrés après la mort, on va parler du jour du jugement, ce qui va se passer, bi'idhnillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à tout le monde. Allahumma alina al-haqqa haqqan, warzuqna tiba'ah, wa alina al-batila batilan, warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, barakallahu fikum.